Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue à Beat the Game. Je m'appelle Steve et aujourd'hui, on joue contre le Bouffon Vert pour essayer de faire un accomplissement héroïque. Et notre accomplissement va essayer de faire une force de frappe, une frappe éclair de plus de 100 de dommages. Oui, vous avez bien entendu, un lightning strike, une force éclair, une frappe éclair de plus que 100 de dommages. Et on va commencer, on va bâtir et on va essayer de réaliser notre rêve. Là, j'ai fait la vidéo, j'avais réussi et j'ai réalisé que j'avais oublié un trigger qui m'aurait peut-être changé toute la game. Oh, fait que là, je suis obligé de recommencer. Fait que moi, si c'est pas propre et s'il y a de quoi qui aurait pu changer l'effet de la game, ça me gosse. Fait que faut que je me recommence. Alors, le but c'est simple, on joue avec l'agression. Alors, une des choses qui est vraiment difficile avec le bouffon vert, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'instances de mettre de la manigance. Thor n'est pas reconnu pour enlever tant de manigance que ça sur la skin. Fait que ça va être vraiment un défi, un beau défi d'essayer d'accomplir ça avec Thor. Là, on a beaucoup de sbires. On a les sbires du modulaire temporel. En tout cas, on a mis le modulaire temporel. On a l'assaut de Hydra. Alors, lui, c'est des sbires qui attaquent immédiatement quand ils rentrent en jeu. Ils nous sonnent. En tout cas, on a mis plein d'obstacles à notre progrès d'être capable de faire une force de frappe de plus que 100 de dommages. Alors, vous allez voir les cartons. Les cartons, si vous n'avez pas vu mon vidéo, j'ai fait la vidéo en anglais et mon record, c'était 112 de dommages. Alors, je vais voir si je suis capable d'éclater ça. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais moi, je vois une main parfaite. 2 pour ça. 1 pour ça. Mjolnir pour ça. My God. Je suis vendu. Alors, je vais commencer. Mjolnir, à moi. On va trouver Mjolnir. Il est ici. Alors, et là, je vais rester mes autres cartes. Là. Et là, je vais frapper ici. On va commencer tout de suite par attaquer. Alors, on commence. On se transforme en Thor Odinson. Je vais payer deux cartes pour jouer un dieu du tonnerre. Ah non, excuse-moi, pas un dieu du tonnerre. Ah oh, ouais, c'est pas grave. Un dieu du tonnerre et ça... pour jouer un team building exercise. Et je vais dire Asgard. Et je vais jouer mon marteau gratuitement. Et je vais péter mon sbire. Patiao! Et là, on a déjà 3 permanents sur la table au tour 1. My God, que c'est beau. On a une frappe éclair. 3, 4. Fait que si on est chanceux et on se pogne un sbire, on devrait être en business. Alors, 1. Il veut m'attaquer de 2 plus 1, c'est 3. Il va mettre un autre compteur. Alors, je vais me prendre 3. Je vais tomber à 11. 3 cartes d'entretien. Première carte. Un sbire. À moi! Là, je me prends 2 cartes d'entretien. Je me prends 2 dégâts du sbire. Je tombe à 9. Deuxième carte. Un portail du temps. Je me prends 1 carte d'entretien de plus si je ne le défais pas. Et... il m'attaque de 4 plus un autre sbire. Il va mettre un autre compteur de manigance ici. Ça va monter à 5. Fait que je me suis pris 4 de dégâts. Fait que je tombe à 5 PV et il a mis un autre marqueur ici. Fait que il m'a fait du dommage 2 fois. J'en ai mis 2. Il était à 2, à 3, à 4, à 5. C'est bon. Je suis en business. Et là, on y va avec... Défenseur des 9 royaumes! Je vais aller me trouver un sbire. Oh! Un sbire temporel! Il va m'attaquer tout de suite. Ouch! À 3! Aïe aïe! Je pige 2 cartes. Bon. Alors, on a des sbires à pu finir. Alors, on a pioché assez. OK. Là, ce qu'on va faire, on ne se cassera pas le basic. On va 10 pour 2. 3 et 4. Attends, on va commencer. On va faire du dommage.
On va péter. On va taper dans ce sbire pour 3. On va jouer 1-2. Frappe éclair et resourceful pour jouer Madame Sif. Ah oui, j'ai enlevé 3 de manigance ici. Ça tombe à 2. Madame Sif, elle me permet de relever mon ami. Madame Sif va enlever 2 manigances ici et ça va se rebrasser dans une minute. On va ensuite utiliser le pouvoir de l'agression avec l'Avengers Mansion pour jouer Valkyrie. Et puisqu'on a joué avec un éclair, on peut faire 3 de dommages à un sbire. Bzzit! Je vais tomber à 2 PV. Ça meurt. Et Valkyrie va péter de 2 ce sbire. Moi, Hulk va prendre 5 minutes pour aller se reposer et monter à 6 cartes. Et je vais me garder un défenseur du royaume. Et lui, on s'en fout parce que ce sbire-là, il manigance pas. Alors ça règle ça. Alors c'est quand même pas pire. Au deuxième tour, avec Thor, on a Lady Sif, on a Valkyrie, on a notre marteau, on a un dieu du tonnerre, on a un team building exercise. Thor! Il fait pas tort, hein? On est en business. Fait que ça va monter à 3, 5. Ça se peut qu'on perde la manigance ici. On va espérer que non. On va voir si on est capable d'être chanceux. Ça se peut qu'on soit pas vraiment chanceux, mais c'est pas plus grave que ça. Et on va avoir une main à 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! On a pour Asgard, on pourrait aller chercher notre Asgard en plus. Ah, c'est bon ça. On va pouvoir avoir encore plus de cartons. Tout est beau. On continue. C'est le tour du boss. Manigance, elle est à 3. Il veut manigancer de 2 plus 0. Quelle chance! On est à 5 et manigance pour 0. Notre carte d'entretien, un Chitari Sol Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Bien, on va se guérir. On va monter à 10. On va se transform. On va faire Défenseur du Neuf Royaume. On va aller se trouver un autre sbire. Est-ce qu'on a un beau sbire qui s'en vient? Un beau sbire? Un soldat flamme? À moi! Je pioche 2 cartes. Et là, j'ai un lancer du marteau. Oh my god, que c'est beau! Et là, ok. Et là, on enlève 3 de manigance, ça descend à 2. Alors, la manigance, on l'a pas mal géré. On a 4 d'attaque ici. Je crois qu'on peut. S'amuser quand même très bien. On va jouer 1-2 pour jouer un dieu du tonnerre. Je vais payer 1-2 pour jouer Spider Girl qui va mettre un sonnet et un confusion à mon ami ici. Je vais payer 1 pour jouer une ressource. Je vais garder mon tu vas payer pour ça. Quand il va vouloir m'attaquer, le boss, il peut m'attaquer. Je peux dire, non, je vais me défendre. Et là, j'ai un beau 6 de dégâts à faire. Mais savais-tu qu'est-ce qui coûte 6? Oh non, c'est passé. C'est 3 puis 3. Fait que 2, 4, 6, ça marche pas. Fait que ça serait 2, 2. Je pense qu'on va switcher notre affaire. On va mettre ça comme ça. Ouais. Puis au moins, on en sort 1, 2... Madame Sif, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Sif? Madame Sif, elle va enlever 2 de manigance. Ouais. Valkyrie et Spider Girl vont péter ce sbire à la place. Elle se prend une, elle se prend un, et je vais garder mon tu vas payer pour ça. Bon, là, j'ai 3 ressources gratuites. Oh my gosh, mon tort, même si j'ai juste 4 cartes, je vais pouvoir les jouer. Oh, j'ai mon Asgard. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai seulement une ressource double dans mon deck. J'ai seulement l'énergie pour le double éclair. Et vous allez voir pourquoi dans pas long. Puis là, en plus, on a une belle downtime. Fait que ça va être excellent. Allez, première chose qui arrive. On met une manigance. Le gobelin veut m'attaquer. On ne prendra pas une attaque. On se prend-tu l'attaque? Non, on ne prendra pas l'attaque. On va mettre ça dans Spider Girl.
Il va se prendre tuer sonné. Ah, zut de flûte. Il est-tu fatiguant? Mais ça, c'est ce qui arrive. On a mis beaucoup de sbires qui font des chutes fatigantes. Il est sonné. Spider-Girl a s'est fait battre au combat. Il va me faire 2 de dommages. Je vais descendre à 8. Et ma carte d'entretien, un sbire à moi. Pouah, je pige 2. Alors ça, c'est plus qu'excellent. Alors, je vais payer... Qu'est-ce qu'on fait? On y va comme ça. On va payer 2 et notre exercice d'entretien d'équipe pour jouer Asgard, qui me donne une plus grosse main. Ensuite, je vais jouer pour 2 mon casque, qui va me donner plus 5 PV. Je vais monter à 13. Et ensuite, je vais jouer... Je n'en serai pas mon marteau. Je vais jouer un downtime. Fait que quand je vais me regen, je vais pouvoir régénérer de 6 au lieu de 4. Et là, je suis sonné. Et ça, ça m'énerve. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'attaquer. Je vais enlever mon sonné. Lady Sif et Valkyrie vont taper de 2 et de 2. Et les 2 demoiselles vont me quitter. Et Thor va se coucher, aller en alter ego. Et là, à cette heure, j'ai quand même... Je vais discarter ça, parce que ça, j'en aurais pas de besoin tout de suite. Et on va piocher 6 cartes. 2, 4, 6 moments de triomphe. OK. On y va avec ça. Fait que lui, il manigance pour 0, lui manigance pour 1. Peut-être qu'on va perdre l'entretien, mais on verra. On va mettre une manigance. 2 plus 2, ça fait 4, ça monte à 6. Et lui, ce sbire, il se rebrasse quand il y arrive en jeu comme ça. Il manigance pour 0, il veut manigancer pour 1, ça marche pas. OK. Ensuite. Ouais. On a notre manigance qui arrive. Oh, la colère d'Odin. Oh, man. Ah, je vais me coucher. Puis je vais enlever ça. Corosse. Bon. Alors, c'est peut-être Hulk qui va faire toute la partie. Parce que là, le problème, c'est que je vais perdre la manigance, c'est sûr. Parce que j'ai rien pour enlever de la manigance. Alors, je me transforme. Je vais faire 2 dieux du tonnerre pour jouer un Avenger Tower. L'Avenger Tower et mon team vont dire que je vais réduire le coût de la prochaine carte qui est un Avenger. Je vais réduire le prochain Avenger. Alors je joue Monsieur Hulk gratuitement. Je vais ensuite payer... qu'est-ce qu'on joue? Est-ce que je prends ma ressource? Je pourrais faire 1-2. Ouais, je vais jouer 1-2 pour le Hall of Heroes. Je vais prendre ma ressource pour jouer un Endurance monté à 16 PV. Hulk va faire 3 dommages à ce Chitari et il va faire 1 dommage à toutes. 3 dommages, puis 1 dommage à toutes. 1 dommage, 1 dommage. Un dommage, un dommage, puis un dommage. Et là, ça me gosse parce que là, je vais perdre mon Sentry. Et ça, c'est mon Avenger. Je pense que c'est le dernier Avenger que j'avais. Et on se relève. Alors, c'est pas moi qui ai battu le boss. C'est lui ici. Alors, ça va arriver. Et je vais avoir 5 cartes dans mes mains. Ah, une frappe éclair. Alors, ça, c'est pas pire. Même si je suis sonné, ça va passer. Alors, 2, 4, 5. Première chose qui arrive, on met une manigance. Le scénario explose, ça monte à 4. On doit regarder le top 2 cartes. Et on met le premier sbire qu'on a. C'est-tu top 2 ou top 3? Top 3 cartes. On a un sbire à moi! Alors, je vais piocher 2 cartes là-dessus. OK. Et ensuite, le gobelin vert veut m'attaquer. Il va m'attaquer de 2 plus... 1, ça fait 3. Je vais descendre à 12.
J'ai-tu de quoi pour enlever de la manigance? Non, tristement. Alors, je rajoute un compteur sur la manigance. Je me fais attaquer de 3, je tombe à 9. Et ensuite, mon entretien, un autre bille. Alors, maintenant, on va s'amuser un petit peu. Là. On va faire une frappe éclair. On va dire que la prochaine carte va me coûter un de moins. Là, j'ai toutes des éclairs avec moi. Je pourrais le faire de 4. Ah, c'est pas grave ça. On va faire ça de 4. OK. Oh, j'ai peut-être même pas besoin de le faire autant. Hulk va faire 3 de dommages ici. Et je déclare un éclair. Je descends à 8. Je fais un dégât. Hulk se prend 2 de dégâts et moi j'ai descendu de 1. Ah ben là, c'est quand même, c'est beaucoup mieux. Là, je peux faire, j'ai réduit le coût de 1, 2, 3. Je vais jouer un Queen Carrier qui est une carte Avenger. Alors, ça me permet de réduire le coût de 1. Ensuite de ça, Thor va frapper dans le Jet Trooper. J'ai une force de frappe de 3. Alors, je le pète, je me guéris de 2. Alors, je vais monter à 10. Alors, lui, il pète. Je vais faire un petit compteur sur mon Hall of Heroes. Je vais jouer un Lightning Strike pour 1. Je vais jouer pour une ressource. Je vais faire un dommage au boss. Et... Ah oui, excuse-moi, de 2. De 2, je vais le faire de 2 de dommages au boss. Il va descendre à 14. Et à chacun des sbires, je pète les 2 sbires. Je me fais 2 autres compteurs sur mon Hall of Heroes. Et je vais jouer ma Power of Aggression pour jouer une ressource. Et ensuite, je vais rester comme ça. Hulk, il va se prendre la prochaine attaque. Et on va, c'est pas ça, on va trouver des trucs pour enlever de la manigance parce que là, je pense que je me prends 2 cartes. 1, 2, 3, 4. Ah, ben oui, alors c'est moi qui vais prendre l'attaque d'abord. 1, 2, 3, 4, je peux pouvoir utiliser Hulk ensuite pour me relever. Défendeur des 9 royaumes. Et je me prends une carte d'entretien ici. On va piocher. Oh, que ça va bien. Alors, écoute, on a déjà commencé à bâtir nos ressources. Tout après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va bâtir nos ressources au prochain tour. Fait que là, après ça, les cartes qu'on joue, c'est les cartes pour bâtir nos ressources. On se fout un peu du dommage. J'ai une carte de plus. On n'est pas là pour faire vraiment du dommage beaucoup, parce que ça va tout arriver en même temps. Premier truc, on met une manigance vu qu'il y a un gobelin en jeu. Ça va monter à 6. Il veut m'attaquer. Il va m'attaquer de 2. Je vais prendre le 2. Ah ouais, une attaque de 3, là. Ah! Il m'attaque de 2. Il va mettre une manigance, puis ensuite, il va me rattaquer. Fait qu'il met une manigance. Oh, c'est plate, ça! Ça m'aide vraiment pas. OK, il m'attaque de 2, puis il va me rattaquer de 2. Fait que je vais tomber à 8. C'est pas cool, ça. J'étais-tu à 12? Ouais, j'étais à 12. L'attaque de 2. Est-ce que je paye là? Ça va monter à 8. Et si, si c'est un advance, je suis dans le caca. Attends, on va voir là. Attends, on va espérer qu'il est-tu capable de manigancer. Il y en a un de passé. Ça veut dire qu'il en reste un dans tout ce montant de cartes-là. Mais à connaître la chance que j'ai, je vais payer 1. Puis quand il m'a attaqué, je vais enlever 2 de manigance. Fait que ça va rester à 5. Juste au cas. Check bien ça s'il me rattaque pas, puis je vais me faire avoir. Bon, carte d'entretien numéro 1, un Goblin Glider, qui a été plaisir de voir tantôt. Et je dois me coucher, et je me prends une autre carte, qui est une autre attaque. Ben, Hulk, il va juste va prendre l'attaque de 4. Et Hulk va aller faire dodo. Bon, là, je vais faire un protecteur des 9 royaumes. Alors, c'est un tyrannosaure! À moi! Je pioche 2 cartes. OK, ça c'est excellent. Parce que j'ai un Lightning Strike.
Et j'ai un moment de triomphe, alors je pourrais me guérir de beaucoup, beaucoup. Je vais payer... Qu'est-ce que je joue? Je vais payer 2 pour jouer un réflexe enchanté ou je sais pas. Je vais utiliser quoi, Steve? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, je peux pas rien jouer avec ça. J'enlève 3 de manigance, ça va descendre à 2. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me coucher. Je vais utiliser mes 3 compteurs pour piger 3 cartes. 1, oh non, 2, 3. OK, ben au moins, là, c'est pas trop grave. Je vais utiliser 2 et 4 et je vais jouer mes 2 autres réflexes enchantés. Puis là, eux autres, ils ont 3 compteurs chacun. Alors, pour ce qui est de ressources, j'ai 1, 2, 3, 4. Il manque 2, 4 ressources. Puis là, j'ai mon 9 stagnant. Je vais avoir mes 9 ressources stagnantes que j'ai besoin d'avoir. Voyons voir si on ne va pas perdre la partie ici. Alors, 2, 4, 6. OK, ben j'ai Madame Sif. Moment de triomphe. J'ai une ressource éclair. Lui, manigance pour rien, fait qu'il ne me dérange pas trop. Il y a 1 gobelin en jeu. Ça va monter à 3. Il va manigancer de 2 plus 2. Ça va monter à 7. Lui, manigance pour 0. Alors, s'il te plaît, ne manigance pas. Un sbire. OK. Alors ça, on peut vivre avec. Alors, c'est notre tour. On n'a pas de défendeur du royaume. On va s'incliner. On va monter de 6. 8 plus 6, ça fait 14. On va se revirer de bord. On va dire, qu'est-ce qu'on joue? On va payer 1 de moins, 2 de moins, 3 et 4 de moins pour le 3-4. Pour le prochain Avengers que je vais jouer, Sentry, qui va me donner une carte d'entretien. Sentry, il va enlever 2 de manigance ici. Il va se prendre 1. Il me reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Je vais jouer. Ma frappe éclair pour tout de suite, c'est ça que je joue? Pour 1. Puis après ça, je ferai 1, 2, 3. Je pense pas que c'est ça que je veux faire. OK, je vais utiliser 1, 2, 3, 4. Ça va être utilisé. Je vais jouer Madame Sif qui va me relever. Alors, Madame Sif va enlever 2 de manigance ici. Ça va descendre à 3. Alors, j'ai un peu la manigance redevenue sous un certain contrôle. Je ne veux pas faire ça pour ça. Je pourrais le faire de 3. Je tue mon boss. Et ensuite, je frappe de 3. Je me mets 2 compteurs ici. On n'aura pas le choix. On va faire 1. On va payer pour une frappe éclair de 3. On va faire 3 au boss. Il va être à 11. 3 ici, 3 au T-Rex. Et paf! Je vais péter mon T-Rex. Ça, c'est réglé. J'ai 2 compteurs sur mon Hall of Heroes. Bon. Alors là, on est rendu à un point où ce qu'on veut. Fait que lui, je ne vais plus m'en servir. Ça, il m'en reste 2 que je peux me servir encore au besoin. Et là, je pige 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. OK. On est dans une place où ce qu'on est très, très, très bien confortable ici. 1 de manigance ici. Il veut nous attaquer. Ben, on va le prendre comme un homme. 3 plus. Ah non, faut que je discarte une carte soutien. Ben, je vais discarter un team building exercise. Je me prends 3. Je vais dire pour 1, tu vas payer pour ça. Fait qu'il en met 1, je vais être à 5. Moins 3, il va être à 2. OK, j'ai pris 3 de dégâts. Je tombe à 11. Et là, j'ai 2 cartes d'entretien. La première, Ombre du passé, c'est toujours, toujours bienvenu dans mes games.
Alors, là, j'ai des cartes de Asgard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec Loki. Fait que ça monte à 9. Et ça me crée une accélération. Je vais rentrer 3 sbires dans le deck d'entretien. À moi! Je vais piocher 2 cartes là-dessus. Et on va espérer, on va espérer de trouver quelque chose pour m'aider. Et mon achat de carte et un autre sbire. Bon. On va commencer à enlever de la manigance. On va enlever 4 de manigance. Ça va descendre à 5. Avec nos deux alliés ici. Mon ami Thor. Qu'est-ce qu'on joue avec mon ami Thor? On va commencer par faire... Qu'est-ce qu'on fait avec mon ami Thor? On frappe de 4. Ouais, on va le faire. On va faire frappe, un lancer du marteau. Hammer throw! On va piocher notre marteau. On va réduire notre marteau ici. Et on va faire une force de marteau. Fouapa! Dans le ki pour 4 et 4 au boss. Est-ce que c'est... Ah! C'est une traîtrise. On la discarte. On ne l'a pas battu. C'est fatigant. Le marteau, il revient dans nos mains. On va rejouer le marteau. On va péter 3 lui. On va se faire un autre compteur ici. Fatigant. Fatigant. Loki. Loki qui a le don de nous écrabouiller. Qu'est-ce qu'on joue? On va faire... On va réduire le coût du prochain Avenger qu'on va jouer de 1. On essaie-tu de sortir Loki? 2. On va jouer Spider Girl qui va sonner et confuse notre ami Loki. Elle va enlever une manigance sur la Family Feud. Ça va descendre à 4. Et elle se prend 1. Puis il va me rester 1 et 2. Je peux-tu les jouer? Je pourrais si je perdrais un autre réflexe enchanté. Mais écoute, on va le faire. Normalement, là, j'essaie de ne pas le faire. Là, mais là, on va le faire. On va payer 3. On va le faire ici. OK. Et on va grimper. On va rester en mode héros. Loki est sonné. Là, j'ai toutes mes ressources. 1, 2, 3. Ah ouais, parfait. 1, 2, 3, 4, 5. OK. On va espérer de péter Loki à notre tour. Première chose qui arrive, on met 2 de manigance parce qu'il y a un gobelin et un accélérant. Ça monte à 4. Le gobelin veut nous attaquer. On va se coucher avec notre ami gobelin. Ça fait 5 de dégâts qui est prévenu. Speeder Girl, elle s'en va. On va brasser. OK. On va regarder ce qui s'en vient. De notre tour, c'est un sbire. À moi! Je pioche 2 cartes. Excellent. OK. Est-ce que j'ai une frappe éclair? Je n'ai pas de frappe éclair. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par jouer le pouvoir de l'agression. Avec un Avengers Tower pour jouer un 2, un 3 pour jouer Valkyrie. Quand elle arrive en jeu, je peux faire 3 de dégâts vu que j'ai éclaté un sbire. Ah, j'ai-tu enlevé son 4 de dommage? Ah non, j'ai oublié d'y enlever son 4. Il est à 7. J'ai oublié d'y enlever son dommage. Et là, on va faire... Qu'est-ce qu'on fait? On va payer 4, on va péter la Family Feud. Madame Sif, elle va nous quitter. Sentry va se prendre un dans la gueule. OK, on est rendu là. Je vais faire un... Où est-ce que j'ai fait mon 3 de dégâts? Je le fais dessus au géant. Lui, il est sonné, il n'a pas attaqué. Il a l'enlevé. Bon, on va faire le 3 de dégâts au géant. On va enlever son tenace.
On va faire défenseur du royaume. On va sauver un sbire. Un autre traîtrise, des traîtrises. Oh! Un ancien warrior. Et là, vu que c'est là, c'est maintenant notre tour. Abati! On pioche 2. On se prend 2. On va tomber à 9. OK. Bon, mais là, on a des sbires à tuer. Là. On a du buyer à tuer en masse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas pogné ce qu'on cherchait. On frappe de 3. On frappe de 3. De 4. On enlève 3 de manigances ici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? 2, 6, il tomberait à 1. Puis je pourrais me guérir aussi. C'est peut-être pas une méchante idée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une attaque. Je vais réduire le coût de la prochaine carte que je vais jouer. De 1, et je vais jouer mes 2 dieux du tonnerre pour faire un lancement de marteau. Wouhapa! Je vais faire 4 au géant et 4 au gobelin. Il va descendre à 3. Je vais jouer mon moment de triomphe. Je vais me guérir de 4 pour monter à 13 PV. Le géant y est battu. Je me fais un compteur d'expérience. Mjolnir revient dans mes mains. Je vais payer 1 pour rejouer Mjolnir. Je vais frapper de... Je vais frapper de 3 dans Lucky. Non, je frappe-tu de 3 dans Lucky? Non, je vais frapper de 3 dans le Warrior. Il va mourir. Je me fais un autre compteur sur mon Hall of Heroes. Je vais utiliser le Mightiest Avenger. Je vais coucher Valkyrie pour lever tard et faire 3 dommages à Lucky. C'est triste, je peux pas le péter, mais je vais payer 1 pour jouer une ressource. Et là, j'ai une carte. Est-ce que je me flippe pour piger 3? Est-ce que ça vaut la peine? Il est confus, ça va monter de 1, 2, il va manigancer. Je devrais être capable. J'ai encore 3 de manigances enlevées. Ouais, je vais aller me coucher. Je vais me sortir du trou. Je vais piocher 3 cartes. 1, c'est un Avengers Mansion. Je me prends une autre carte d'entretien. Ouh! Hey, on a du stock, on a du stock. Je crois pas qu'il va être capable de manigancer jusqu'à 11, mais sait-on jamais, on va faire attention à ça. OK. Et Lucky, on va espérer d'être capable de le péter. 1, 2... 3, 4. Ah, ben, Colin, hein? On a une ressource, mais Colin, on va en jouer une. On va en discarter une pour en jouer une. Je veux pas perdre mon défendeur des 9 royaumes. C'est ça qui me fait peur. Mais j'aurais 1, 2, 3, 4. OK, ça, c'est correct. 5, 6, 7. Il m'en manque pas gros. Est-ce que je veux gaspiller mon Avengers? On paye 1 pour 1. Bon, je vais garder mon mansion. Peut-être qu'on va avoir notre ressource double. On verra bien ce qui va arriver. OK. On arrive ici. On a des ressources à pu finir, à profusion. Et j'ai ma ressource double. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et Madame Sif. Oh my God. Que ça va être beau, ça. OK. Une manigance. Une manigance de 2. Plus un sbire. Ça monte à 4. Ça monte à 5. Ensuite de ça, il veut manigancer, il n'est pas là. Monstre, je suis sonné. Fatiguant ça, il est fatiguant le sonnage. Et un cut off guard. Je vais discarter Mjolnir. À moi, marteau, c'est mon tour. Chupa, ça revient. Je suis encore sonné, ça c'est fatiguant. OK, on va faire un... J'ai-tu un Lightning Strike? J'ai pas de Lightning Strike. On va espérer d'en piocher un. On va jouer... 4. Avengers Mansion. Je réduis le coût.
une carte de moins et une ressource double. Avenger Mansion, je vais piocher une carte. Pouvoir de l'agression, c'est pas ce que je cherchais, mais c'est pas grave. On va se transform. On va faire Défenseur du Royaume. On va enlever 3 de manigance, ça va s'en être 2. On va essayer de trouver un sbire. Fouapa, à moi pour piocher 2 autres cartes. 1. Oui! Ok, alors on est parti, mon kiki. Alors, il n'y a rien qui est tenace. Je vais faire... Ok. Je vais enlever mon Sunny. Je vais utiliser le Mightiest Heroes des Avengers. Je vais enlever Valkyrie pour redresser, pour frapper Loki de 2. C'est une traîtrise. Il se guérit. Il retombe à 4. Qui est-tu fatigué? Ok. On va ensuite jouer... Ah non, j'ai discarté ma carte. Ouh, c'est pas cool. Alors, c'est 6 que j'ai à faire. Faut que je fasse 6. Il me reste 1, 2. Ok, mettons qu'on paye ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai le 6 tout juste et j'explose tout le monde. Attends, ça s'en vient ici parce que ça se fait discarter. Mais je perds ma Lady Sif. C'est pas grave. Alors, je vais faire Lightning Strike pour 6. Piu, 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 piu. Je vais faire 6, 6, 6, 6, 6. Hey, c'est beaucoup ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 6, ça fait 30 de dommages. C'était un beau tableau, j'aurais aimé ça garder ça, mais je peux pas me le permettre. Et on va voir, fait que ça va péter. Fait que au boss, il y a tous les vilains. Alors, quand que ça va péter, tout va s'en aller. Je vais me faire 1, 2, 3 minimum compteurs. J'ai 3 cartes d'entretien qui rentrent. Et ensuite, on révèle encore une traîtrise. Loki ne veut juste pas s'en aller. Quel infâme. Quel infâme. Et là, je me prends 3 cartes ici. Alors, j'ai 5 compteurs sur mon Hall of Heroes. Ça, c'est fâchant, par exemple. Et mon ami va enlever... 2 manigances Sentry, il va être à 4. C'est pas cool, Loki, j'aurais aimé ça que tu partes. C'est pas grave, mon frère, on va s'en voir. À l'amour comme à la guerre. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Bon, j'ai ça pour enlever la manigance qui va rester. Et notre gobelin est maintenant à 20 points de vie. On va voir s'il nous reste des sbires. Bon, première chose qui arrive, on met une manigance. Ça reprend du Spire. Ça reprend du Spire en masse. Il veut attaquer de 3. Je vais le prendre de 3. Un sbire. Ah, à moi! Je pioche 2. Il me fait 3. Et là, quand il m'attaque, il me met... Attends, je suis au niveau 3 ici. Quand il arrive, il me fait 2 manigances en plus. Fait qu'il m'a frappé de 3. Je tombe à 10. Il met 2 manigances sur la principale, ça monte à 3. Loki et lui, je tombe à 7 points de vie. Et ensuite, on révèle un sbire. Gobelin Nation. Ça monte ici. Il y en a 2 par joueur. Tous les gobelins ont plus 1. Un sbire et un sbire. OK, fait 1, 2, 3, 4, 5. Oh my god, ok, faut que je fasse attention. Ah zut, hey, le timing est juste pas bon. Attends, on l'essaye dessus. On va l'essayer pareil, j'aurais aimé ça piger mes 3 cartes de plus. Mais je pense que c'est ici que ça se passe, je vais piocher une carte. Mon coup d'éclair, ce que je cherchais à trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, j'ai 13. 13 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13, 6 fois 13. 6 fois 3, 18. 18 plus 6 fait... Ah, ça fait 78. 2, 4, 5, 6, 7 fois 13. 7 fois 3, 21. Ça fait 80. Okay, on va trouver un sbire. Un titan. À moi! Je pioche 2.
Je me ramasse avec plus de cartons. OK. OK. Alors, lui, il rentre en jeu avec un tenace. Ah, je vais essayer de péter mon... je vais essayer de péter mon record, mais je pense pas que je vais y arriver. C'est maintenant ou jamais. Parce que je survis pas à la prochaine. Même si je descends en alter ego et je pioche 3, je pourrais pas faire mon attaque. C'est triste comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai-tu un autre? Oui, j'en ai un autre. On va... Il me reste pas beaucoup de sbires. Défenseur du royaume. On va chercher pour un autre sbire. Ah, il n'y en avait pas d'autre. Merde. Alors, je me prends un accélérant. Ça, c'est pas cool. J'aurais dû compter avant. Parce que là, j'ai gaspillé mon bonhomme. Bouh. 2, 4, 6. Si j'en avais un autre, ça aurait fait... 2, 4, 6, 7, 8. 8 fois 13... Là, ça aurait été correct. Là, j'aurais été dans les chiffres un peu plus haut. Si j'amène la manigance à 0, non, c'est trop. Même si j'amènerais la manigance à 0, il manigancerait de 1, 2, 3, 4, 5, plus 5, 6, 7, 8. Ah non, non. Je pars à la manigance tout de suite. Ah, là, j'ai pas le choix de finir le scénario. Alors, on y va avec une frappe éclair. On va en faire une grosse, par exemple. Oui, on va garder Hulk, parce qu'on va pouvoir jouer Hulk gratuitement. On va jouer, ok, on va payer 1, on va garder notre ressource, pour un frappe éclair de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis... Hey, j'ai-tu mon vol? J'ai pas mon marteau? Il est où mon marteau? J'ai-tu mis mon marteau aux poubelles? Il est où mon marteau? Comment c'est que mon marteau est aux poubelles? Oh non! J'ai peut-être obligé de mettre mon marteau. Oh, ça c'est fatigant. Attends, attends. Je vais payer 2 pour m'en frapper ici là avant là. Je vais faire 13 de dégâts à tout ce que ça a table. Alors, on va voir, est-ce que Lucky survit? Non! Lucky, il meurt finalement. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 13, ça me prend ma calculatrice. 2, 4, 6, 7. Est-ce que j'ai réussi à avoir mon centre dommage? 7 fois 13. Est-ce que je me rends calculatrice? 7 fois 13... 91! Je me suis pas rendu! Oh. Merde! Ah non, 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 non! Ça, c'est pas cool! C'est pas cool! Est-ce que j'essaie de garder, de continuer le scénario? Non, c'est impossible. C'est impossible, même si je voudrais garder le scénario. J'enlève tout. Ouais, c'est là, il n'y a plus de manigance nulle part, là. Qu'est-ce que je fais? Hey, j'ai tout pété. J'essaie-tu? Je vais essayer. Je vais essayer de... Je fais 13 de dégâts. Il tombe à 7 PV. Il tombe à 7. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. 2, 4, 6. Alors, je me mets 6 compteurs de plus sur mon Hall of Heroes. Je vais jouer Hulk. Je vais réduire le coût du prochain Avenger avec mon exercice d'équipe. Pour jouer Hulk. Puis le reste de mes personnages vont rester là. Ça, c'est fait. Je vais me transformer. Je vais guérir de 6. Je vais monter à 13. Je vais piocher 3 cartes avec mon Hall of Heroes. 1, 2, 3. Des cartes qui me servent absolument à rien. Je vais mettre ça là-dessus. Et je vais piocher. On va continuer. Et on aurait pu le tuer là, mais on va essayer de le refaire. Je pense que ça sera pas. Je pense pas qu'on va être capable. 2. 1, 2, 3, 4, 5. Je me prends une carte d'entretien. Ah! Si proche! 91. Merde! Parce que là, le problème, c'est d'être capable d'aller chercher toutes les sbires. Puis là, quand il met 4 cartes, c'est là que ça te donne vraiment la meilleure chance d'être capable d'aller chercher toutes les sbires. Ah, zut de flûte, zut de flûte! 2, 4, 5, 6 cartes. Bon, Madame Sif,
On y recommence. On recommence. On y va. Il veut mettre 2 manigances plus 2. 3. Si je suis engagé, fait que c'est pas. Fait qu'il met 3 plus 2, ça fait 5. Une carte d'entretien, le portail. Puis carte d'entretien, un sbire qui a accélération. Ok, ça c'est correct. On a un sbire. Et lui, il y a 2 compteurs là-dessus. Bon. On se cassera pas le basic. On va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Toutes des choses que j'ai pas besoin tout de suite. On va piocher une carte avec notre mansion. Ma frappe est claire. Il me reste 5 compteurs ici. Bon, là, Steve, qu'est-ce que tu fais? T'as un million d'affaires que tu peux pas rien faire. Je vais me guérir de 6. Je vais être à 19. Je vais réduire le coût. Attends, qu'est-ce que je fais? Ah, Sentry, il va enlever 2 de manigances ici. Ça va se rebrasser. Il se rebrasse dans le cachet. Ça, il s'en va dans ma défausse. C'est pas une Avenger. Ok, je vais payer 1, 2, 3, 4 pour jouer Lady Sif qui va redresser mon héros. Je vais me guérir de 6. Je vais monter à 25. Non, je peux pas monter à 25. 14 plus 15, c'est 19. Je vais remonter à 22. Fait que là, je suis grillé à l'os. Lady Sif va enlever 2 de manigance ici, sur la Nation des Gobelins. Elle va se prendre 1. On va, ça c'est fait, ça c'est fait. On va payer 2 pour discarter son attachement. On va ensuite faire Défendeur du Royaume. On va se trouver un sbire. Un booze buyer, c'est un sbire à moi! Je pioche 2. Ok, on va être capable de faire des affaires avec ça. Ok, on va recommencer à bâtir. On va jouer nos 2 lancements de marteau pour jouer un ref. J'ai-tu obligé de rebrasser ça? Ah, ça se peut que j'ai oublié de rebrasser, là. Ah. Ok, 2. Ensuite, je vais payer Défendeur du Royaume avec un Lightning. Non, 1, 2 pour jouer un autre. 3. On va jouer. Qu'est-ce qu'on joue? Ouais. Protecteur du Royaume. On va se trouver un autre buyer. Il est ici. On va enlever 3 de manigance. Ça va tomber à 2. Je pense que ça va tomber même à 0. Là. Je l'ai fait quoi? Je l'ai fait 2 fois. Là. Je l'ai fait une fois. J'ai eu un sbire. J'ai eu 2 fois. Il n'y avait plus de manigance. Fait que ça tombe à 0. Ok. Je vais utiliser un des ici. Je vais juste me débarrasser. De quoi je me débarrasse, Steve? Je vais frapper de 2 dans lui. Avec Valkyrie. Fait que j'en prends 1 plus ça pour Spider-Girl. Je vais mettre ça ici comme ça, il va être sonné. Ok, fait que ça c'est mon tour. Ok, on a nos ressources. On va essayer d'aller chercher le plus. On est à 22. On va aller chercher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On a reçu notre frappe éclair. On a notre autre ressource. Ok. On y va! Première chose, on met 2 de manigance. Non, 3 de manigance parce que il y a un tral. Ça monte de 2 plus 1, 3. Il veut nous attaquer. Il va attaquer. Je ne veux pas être trop pro manigance. Alors, j'ai juste ça à faire en vue de la manigance. Ok, je vais prendre 3 plus 1, ça fait 4. Je vais descendre à 18. J'en mets 2 sur la manigance principale, ça monte à 5. Lui, il est sonné. Je me prends 3 de plus. Je descends à 15. Entretien. 2 cartes de plus. Under fire. Première, ombre du passé. Il est déjà passé. Gang up. Oh,
Ah merde, ça, ça va faire mal. Berk. Ok, il va m'attaquer. Non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fait, Steve? Il veut m'attaquer. Okay, on va bloquer avec Spider-Girl. Il va attaquer de 4. Spider-Girl va mourir. Je vais me prendre 2 plus 1, ça fait 3. Je vais descendre à 12. Hulk va bloquer lui. Il va se prendre 1. Ok, c'est que ça, c'est réglé. Et l'autre carte est un sbire. Oh, manigance de 2 plus si c'est une attaque. C'est pas une attaque. Attends, si t'es en héros, le vilain il t'attaque pareil. Il me rattaque. Oh my god. Fait qu'il manigance de 2, fait que ça monte à 7. Puis là, ça monterait à 9 parce qu'il m'attaque encore. Hey, c'est pas cool ça. Ok, ben attaque-moi, mais il y a pas. Il m'attaque de 3, je tombe à 9. Puis il en met 2 autres. Oh, je vais être obligé de le tuer! Ça monte à 9 de manigance. Ok, Lady Sif va en enlever 2. Ça tombe à nous autres, ça te descend à 7. Je vais piocher une carte. Ok, c'est bon, mais c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire Défendeur du Royaume! On va enlever 3 de manigance. Fait que 7, ça va descendre à 4. Je suis pas mal sûr qu'on va se trouver un Sbire. Wouapa! À moi! Je pioche 2. Ah, ben j'ai mon Mjolnir, finalement. Je comprends vraiment pas pourquoi j'avais pas Mjolnir sur la table. Je vais payer 2 pour jouer un réflexe. Je vais payer un réflexe pour jouer mes Resourceful. Je vais jouer. Et là, ça va pas bien mes affaires. Il faut que j'enlève plus de manigance parce que ça va monter vite. Ça monte de 1, ça monte de 2. Ah man, s'il faut que je perde l'entretien pour ça, ça va me gosser. Lady Sif, elle est déjà utilisée. Je vais payer 1 pour Mjolnir. Ah, oh man, faut que je pète des Sbire, mais je veux pas péter des Sbire. C'est ça qui est le problème. Si je pète mes Sbire, je suis dans le caca. J'étais à 9. J'essaie de survivre une autre attaque. Je vais essayer de survivre une autre attaque. Je vais discarter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me manque une ressource, 9. Puis une grosse main. Je vais enlever une de manigance. Ça va descendre à 3. My God! Je vais garder mon frappe éclair. Puis c'est tout. On va y aller avec ça. On va rester à 9 points de vie. Puis on va voir si on survive. Ok. On va espérer de survivre. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, full la wire. 2. Allez, 2, 4, 5. Ok, on a 5. On se prend une autre carte d'entretien. On va espérer que c'est des sbires. Si c'est des sbires, je suis en business. Si c'est pas des sbires, je suis plus en business. Ça monte de 3, 4, ça va monter à 7. Je sais pas. Ok, il veut attaquer. Écoute, on va bloquer dans Hulk. Il va attaquer. Non, ça monte à 7. Attends, ça monte. 1, 2, 3, 4. Fait que ça monte à 7 sur 11. Il veut attaquer. Il attaque pour 4. Hulk, il se le prend. Je vais me faire attaquer de 2, 3, 4, 5. Je tombe à 4. Ok, ensuite. Entretien. À moi! Je me pige un sbire. Ok, parfait. Ambition. C'est juste les gobelins. 3, 4. Oui! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça dit
Chaque gobelin, fait 10 cartes X. Alors, il y a deux gobelins sbires qui rentrent en jeu. Oh my god, est-ce que je vais être capable de le faire? Oui! Je les rentre en jeu, les autres. Ils sont discartés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh my god, la gang, je pense que je suis capable de me rendre. Je vais piger une carte. Ok. Je vais... Ah oui, j'ai ma ressource d'eau. Défendeur du royaume. Wouah! Je vais trouver un sbire. On se trouve un sbire. On va être capable de le faire. On va être capable. On va être capable. On va être capable. Donne-moi un sbire. Un autre. À moi! Je pioche deux. Attends, je l'ai-tu fait déjà? Non, j'ai juste fait une fois. Ouais, c'est parce que là, c'est le dos du boss. Ok, parfait. Je pense qu'on est rendu. Alors, j'ai un autre sbire, j'ai... Bon, 3 mètres de gaz de moins, on s'en fout. Ça va descendre à 4. 7 moins 3, c'est 24. OK, c'est pas grave. OK, on est rendu. OK, on regarde les cartes. On a notre ressource est claire. On a rien d'autre qu'on peut faire. On a pigé notre carte. J'ai pas réussi à faire mon truc, mais je me suis rendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9! Je vais faire Force éclair! Oui! Ah oui, attends, j'en ai un. Attends, j'ai mon autre. Attends, je vais payer un. Je vais jouer mon autre. Ok, là, je suis all dress. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai tout ce que je voulais. La seule affaire qui me manque, c'est mes 3 cartes de plus du mon Hall of Heroes qui aurait pu faire une attaque de 1 million. Ok. Alors, on paye 1 pour notre frappe éclair. Et on va discarter un éclair. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On fait une force éclair de 16 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 9. 144 de dégâts! Je suis à moi! Oh my god, on a réussi! Oh man! 91 et 144! Et j'ai pas perdu le scénario. J'étais à 4 de vie. Oh my god, que c'était beautiful. Beautiful. Ok, on s'en fout là. Puis là, j'ai mis 9 compteurs sur le Hall of Heroes. Oh my god, que c'était mongol. Ok, j'ai peut-être fait une petite erreur à la fin là. Écoute, on s'en fout là. Mais l'accomplissement, il est là. Il est fait. Il est en français. Pas vous autres la gang. J'espère que vous avez aimé ça. Thor, 144 points de dégâts. Il me manquait 3 cartes. Je pétais le 150 for sure avec 3 cartes de plus. Qu'est-ce qui me restait dans mon deck là? Regarde, 1, 2, 3. Écoute, j'avais 2 de plus. Fait que c'était 18. Alors, si on y pense à ça, c'était 18. Oh non, puis j'arrêtais en alter ego. Fait que j'aurais une carte de plus pour commencer. Fait que ça aurait été 19 fois... C'était quoi, man? 19 fois 9. Attends, j'en ai dit 9? Attends. 144 divisé par 9. 16, c'est ça. Oh my God! Fait que 19 fois 16... Quoi? Non. 19 fois 16... Non, attends, c'est... Non, 9 fois 16. Non, 8 fois... Hey, j'ai tout mélangé, là. 8 fois 16, 128. Non, 9 fois 16. Fait que 9 fois 19, ça me faisait 171 de dégâts. Oh my God! J'ai quasiment réussi à topper le... Quasiment le 200. 144 de dégâts. Man, c'était malade. 9 fois 16. Oh my God, 9 fois 16. Dang, 144. 9 x 16, il y a de la preuve. Ok, guys, j'espère que vous avez ça.
Hey, moi, j'ai dû faire l'affaire ça. En tout cas, tard, il est pas tard, hein. Écoute, on a gardé le contrôle. Écoute, même dans des gros revirements à la fin, je suis comme, hey, j'étais à un de péter, là. J'étais comme, oh my god, qu'est-ce que je fais? J'avais pas le choix, puis je suis revenu en plus pour récupérer mon scénario, puis être capable de faire mon accomplissement comme un chef. My god! Alors, 144, nouveau record pour Thor. Mais là, je sais que je suis capable de me rendre encore plus haut. Fait que, imagine-toi, 9 x 20, c'est 180. Oh my god, 10 x 20. Hey, écoute, j'avais les sbires, là. J'avais tout ce que ça me prenait. Je pensais pas être capable de revenir, guys. En tout cas, j'espère que vous aimez ça. Je m'appelle Steve, Marvel Champions. Checkez ça, guys. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir d'autres accomplissements héroïques. Écoute, j'ai battu mon record. J'avais 112, mon record. Et ça, c'est 144. Malade! Hey, si vous voulez vous l'essayer, essayez de le faire. Voyez si vous êtes capable de faire plus que 144 de dégâts. Hey, guys! Bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé à la chaîne. Beat the game! À la prochaine!